que je déploie son travail à travers un livre qu'il a publié, qui est extrêmement intéressant et qui parle de collectionner de l'art numérique. Collectionner de l'art numérique, depuis que ça existe, c'est toujours une problématique très importante, puisque acquérir une œuvre d'art qui existe sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire? Acquérir une œuvre d'art qui est basée sur une technologie un peu fragile et qui risque de devenir obsolète en très peu de temps, très peu d'années, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Et dans ce livre, Pao vraiment retrace tout ce que cet art numérique a provoqué comme renouvellement de la relation entre l'artiste, son collectionneur, sa collectionneuse et son public. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment un lieu qui est créatif en soi. Et aujourd'hui, avec Adrien Manessian ici de Renaissance NFT, ils ont préparé une présentation et une conversation sur non seulement donc, la collection d'art numérique, mais aussi comment c'est en train d'évoluer avec les NFT. Donc on va commencer par cette intervention, et puis on suivra par une intervention de Karen Lévy et Amy Sauvert, qui sont collectionneuses et elles-mêmes impliquées dans la création d'un métavers pour les artistes, avec le projet Aika. Et donc là, un exemple d'une société et d'un ensemble d'acteurs qui s'organisent pour faire venir à l'art et au métavers des artistes contemporains. On aura aussi la chance d'entendre Jean-Sébastien Boucan, hein, qui nous rejoint en cours de route et qui crée un projet qui s'appelle La Collection et qui vient de lancer une collection de NFT avec les collections du British Museum, et notamment un travail autour de Hokusai, de ses célèbres estampes. Il a oublié son ordinateur. Il a oublié son ordinateur. Il peut nous parler quand même. Il arrive dans 5 minutes. Ah, mais c'est OK. On attend. Merci. Et puis on fera une petite pause. Et on aura ensuite la chance d'accueillir deux artistes. Obvious, qui est en fait un trio d'artistes, hein, qui est très célèbre pour ses créations à partir d'intelligence artificielle et qui sont aussi des pionniers du NFT avec leurs œuvres. Et puis on conclura l'après-midi avec Agoria, célèbre musicien qui est un expérimentateur vraiment assez génial sur les NFT et sa relation à la musique. Voilà, on sera toujours accompagné par Adrien pour tout l'après-midi. Et je crois qu'on peut commencer. Allez, vous êtes ready? Alors, Pao, vérifiez bien que c'est ça dans tes moyens. Donc, Pao, merci d'abord d'être ici, d'avoir fait un long déplacement. Fabien l'a dit, Pao, c'est un expert de l'art, un expert de l'art digital en particulier. Écrivain de bouquins, commissaire d'exposition. Donc voilà, en présentant, il y a déjà pas mal de sujets qui nous viennent en tête. On a parlé des NFT ce matin. Mais pour toi, Pao, l'art digital, ça commence quand? Ça commence comment? Merci. Donc, bon, tout d'abord, j'ai mis la petite animation du livre pour vous faire une idée. Donc, c'est, comme Fabien l'a dit, c'est un livre qui vise de plutôt convaincre d'un côté les collectionneurs d'art contemporain de s'approcher à l'art numérique, de leur expliquer qu'est-ce qu'il y a maintenant, d'un côté pour collectionner de l'art contemporain avec toutes les plateformes qu'il y a sur Internet, pour connaître de l'art, pour le valoriser, pour le collectionner, et puis rentrer un peu dans le monde de l'art digital. Et de l'autre côté, j'invite tout le monde, c'est-à-dire tous ceux que nous sommes ici maintenant, à acheter de l'art numérique parce que maintenant on peut acheter de l'art avec 1 euro, 3 euros ou 50 euros. On peut rentrer là grâce au fait que dès qu'on a une œuvre dans un format numérique, on peut faire des éditions très grandes à des prix très bas, et c'est un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Et bon voilà, c'est un peu l'introduction que je voulais faire aussi au livre. Bien que John a présenté son livre ce matin, je pensais voir un peu les présentations. Mais tu as bien raison. Moi, juste pour rappeler ce concept, hein, donc c'est un livre qui se lit dans les deux sens, un peu, voilà, un peu comme un manga, pas tout à fait traduit. Donc d'un côté, vous êtes très riche et vous collectionnez de l'art digital et vous devriez le faire et continuer de le faire et comment le faire. Et d'autre côté, vous n'êtes pas riche du tout et justement,
pouvez y aller, je trouve ça... Bon, je me suis retrouvé surtout sur une partie. Hein. Oui, oui c'est aussi pour ça que le livre n'est pas vendu en format digital, parce que je pense que c'est important d'avoir le livre, de pouvoir jouer avec ça, décider par où on veut commencer. Donc, petite parenthèse, et je rentre, Adrien, dans ta question. Si on veut parler un peu de la jeunesse de l'art digital, on peut commencer, pour commencer quelque part, on commence surtout avec les expérimentations des années 60, avec des ingénieurs, des mathématiciens, et puis des artistes qui ont commencé à expérimenter avec les ordinateurs, qui dans ce moment étaient des grandes machines. Il y avait une dizaine d'ordinateurs dans le monde, dans les centres de recherche. Alors c'était très peu qui pouvaient vraiment voir qu'est-ce qu'on pouvait faire d'artistique avec des ordinateurs. Et alors on a des pionniers comme Görnis, comme Friedenacker, comme Vera Molnar ou Manfred Mohr, qu'on voit ici dans les images, qui sont ceux qui commencent à expérimenter avec ça. Et ce qu'ils font, c'est écrire des algorithmes, écrire des instructions qu'après l'ordinateur va processer et un traceur va générer un dessin, comme celui que vous voyez ici. Et c'est un moment assez important parce que ces artistes ne sont pas en train de dessiner, ils sont en train de programmer. Et comme le dit Friedenacker, il dit que l'art algorithmique, c'est la description d'un nombre infini de dessins. Ce que je pense, c'est très joli. C'est une description très précise et en même temps presque poétique, qui nous parle déjà de cette possibilité. Quand on travaille avec un ordinateur, on peut créer au-delà de nos possibilités, disons, humaines. Et là, ça commence, et il y a déjà, là, je pense que c'est aussi important d'y penser, artistes comme Manfred Mohr, qui présente son œuvre l'année 71 au Musée d'Art Moderne de Paris, avec beaucoup d'intérêt, mais il reçoit aussi le rejet de l'art contemporain, parce qu'il y a toujours cette peur de que la machine peut substituer l'artiste. Et aussi, il y a une autre chose, que c'était dans ce moment... le seul artiste dans toute la France qui pouvait aller à l'Institut de météorologie à travailler avec la machine qu'il y avait là pour générer ses dessins. Et je pense que ça fait aussi partie du rejet, du fait qu'il est un peu, disons, ignoré. Et depuis là, on a eu pendant les dernières 40-50 années un peu ces deux niveaux ou ces deux mondes parallèles de l'art contemporain et de l'art numérique, nouveaux médias, etc., qui se sont trouvés dans quelques moments, comme celui qu'on est maintenant. Alors, là, il y a un déclic par la technologie pour produire de l'art, et il y a un autre déclic, c'est quand les artistes ont commencé à réaliser qu'ils pouvaient vendre des copies d'œuvres en grand nombre. Je sais que c'est un sujet que tu maîtrises bien, mais c'est un sujet qui est très lié aussi à ce qui se passe aujourd'hui avec les NFT. Tu nous en parles un peu, tu nous donnes des exemples. Oui, bien sûr. Bon, d'un côté, on pourrait parler aussi de trois moments importants dans cette relation avec l'art des nouveaux médias, qui vient aussi à une relation avec cette vente de multiples. Ce sont trois moments économiques, en fait. D'un côté, on voit la boule des dot-com, la boule d'Internet, début 2000, qui va générer de l'intérêt pour l'art à Internet, c'est un moment culturel aussi que économique. Quand il y a des musées qui commencent à collectionner du net art, après ils vont un peu oublier tout ça. Après, dans la crise économique de 2008, on a un moment aussi de crise qui mène le marché de l'art à chercher d'autres endroits pour vendre. Et alors, le marché de l'art contemporain en général va s'intéresser plutôt à Internet et à des moyens pour arriver à des nouveaux publics et aussi des nouveaux formats. Et après, au dernier moment qu'on a maintenant, c'est le moment des crypto-monnaies, non, comme elles montent, et c'est là qu'on a les NFT. Et tout le long de ces dernières années, on a
croissance de du commerce électronique qui fait de plus en plus possible de vendre à travers Internet. Donc dans ce contexte, on peut aller encore aux années 60. Quand on a vers la fin des années 50 et dans les années 60, on a cet intérêt dont tu parlais des artistes pour arriver au grand public, ne pas vendre seulement des œuvres qui sont très chères à des grands collectionneurs, mais toujours arriver au grand public. On pourrait aller même au début du XXe siècle avec Marcel Duchamp, qui l'année en 1935, il avait déjà essayé d'aller au-delà de cette de la création d'œuvres d'art pour arriver au grand public avec les rotoreliefs, qui était, disons, un gadget, quelque chose qu'il a essayé de vendre au concours Lepin et au grand public, mais il n'a pas réussi. Mais c'était déjà cette intention, non, d'arriver à tout le monde en faisant quelque chose qui est moins cher et qui est vendu dans une grande édition. Alors, c'est intéressant de voir ici quand Karl Gesner et Daniel Sperry font maths, multiplication d'art transformable, qu'ils commencent à faire cette idée de vendre des éditions, des grandes éditions de 100 exemplaires à $50 chacun, d'œuvres d'artistes qui sont connus, donc pour arriver au grand public. Non, ils ont fait ça et c'est vraiment un peu ce qui vient avant de la révolution des NFT. Non. Ils nous parlent aussi de comment les artistes ont toujours voulu faire ça, non, vendre, arriver à un public plus grand et pourtant profiter de cette possibilité de faire des éditions qui, comme le dit Gesner dans ce texte, donc quand on achète une édition comme ça, on prend un pourcentage de l'originalité de l'œuvre. Donc, je pense que c'est un concept assez intéressant. Oui, c'est super intéressant et d'autant qu'on le voit souvent dans la partial ownership, c'est quelque chose qui existe aussi aujourd'hui dans les NFT, qui est assez répandu. Il y a un projet assez cool que tu as fait avec Feral Five, une plateforme d'exposition et de vente d'œuvres d'art digital. Tu as été curateur là-dessus. Tu peux nous en parler et nous donner un peu de détails sur ton rôle là-dedans et ce qu'il y a de nouveau en fait dans justement ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait peut-être pas faire avant. Bien sûr. Attendez, je vais faire un saut assez rapide. Voilà. Donc ça, c'est le site de Feral Five. Et ce qu'il y a de particulier, Feral Five, a été créé en mars de cette année par Casey Rees, qui est un artiste très connu dans le domaine de l'art numérique. Il fait de l'art génératif, du software art. Alors, il a créé cette plateforme parce que parmi tout ce marché de NFT, ce qu'on a, c'est des marketplaces, c'est des marchés où on présente les œuvres individuellement, on les met dans une vente aux enchères pour voir d'avoir le prix le plus haut possible. Alors lui, ce qu'il veut faire, c'est de retourner les œuvres dans un contexte d'exposition. Donc donner plus d'importance à l'œuvre qu'au prix, et il propose de faire cette plateforme où toutes les œuvres sont présentées dans des expositions commissariées. Dans chaque exposition, toutes les œuvres sont dans la même édition, le même nombre d'éditions, et au même prix. Et c'est aux commissaires et aux artistes de décider quel est le prix et quelle est l'édition. Donc la plupart des fois, les artistes et les commissaires, nous avons choisi de vendre les œuvres en des éditions de 75 exemplaires à $75, ce qui est très bas dans ce marché des NFT, avec cette même idée qu'on avait avec les multiples, d'arriver à tout le monde. Et là, dans ce cas, je pense que c'est important le fait que c'est une exposition commissariée, donc il y a un concept derrière les œuvres. Il y a une description des œuvres, comme vous pouvez voir qui lit toutes les œuvres entre elles, qui font un discours partagé. Et alors, de cette façon, on veut donner plus d'importance à l'œuvre. Et en fait, j'aime bien dire que ce type de plateforme, c'est une plateforme de diffusion et vente
d'œuvres digitales en édition limitée NFT. Ce n'est pas juste une vente d'NFT. Ce sont des œuvres qui, parmi elles, il y a des œuvres qui ont eu avant une vie comme des installations, qui ont eu des autres formats, et dans ce cas, sont présentées en une édition spéciale que les artistes ont fait pour pouvoir les vendre dans ce format et arriver à tout le monde. Alors, ce qui s'est passé là, c'est que, bien sûr, on est dans un marché d'une grande spéculation. Alors, on a préparé cette exposition, on l'a présentée en septembre, le 9 septembre, et on a eu une heure pour faire un peu la discussion autour de l'exposition. Et puis, après une heure, on a commencé la vente, et après 40 secondes, toutes les œuvres ont été vendues. Parce qu'il y avait tellement d'intérêt à ça, que les œuvres ont été vendues immédiatement, et une minute après, elles ont commencé à être revendues à 200, 300 fois le prix original. C'est vraiment... C'est le système dans lequel on est. Ce qui est intéressant, moi, je trouve que tu as introduit là, c'est une distinction que moi je vois, mais elle est contestable, entre quelque chose qu'on pourrait appeler le crypto-art et quelque chose qu'on pourrait appeler l'art qui utilise le NFT. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait, il me semble, la même chose. Et certains utilisent le mot crypto-art comme mot ombrelle pour désigner tout ce qui utilise le NFT, mais je crois que c'est un petit peu différent. Juste pour souligner ce point, parce que ce matin on a beaucoup parlé justement de crypto art, et il me semble que le crypto art désigne quelque chose qui va intéresser d'abord des gens qui ont des crypto-currencies, qui cherchent à diversifier un portefeuille et qui vont avoir des comportements très financiarisés dans leur approche. Si je vais à l'extrême, peu importe l'expression artistique, l'œuvre d'art et ses qualités intrinsèques, ce qui est important c'est sa rareté, c'est le côté célèbre et puis toute la promotion qui est faite autour en destination de ce public-là. Là, ce qui est décrit, et je pense ce qui est vraiment typique de l'expérience Fairfile, c'est d'abord des artistes qui sont des artistes professionnels, hein, ils font de l'art du soir au matin et du matin au soir, et ils vont organiser une contextualisation, ensuite en y ajoutant un dernier maillon qui est le NFT pour dire, bah oui, c'est pour vous garantir que l'édition est bien celle qui est là. Et moi, je vois une différence assez intéressante entre ça. Parce que je crois que l'utilisation du NFT comme un moyen simplement de traçabilité, c'est quelque chose qui va beaucoup se diffuser. Je ne sais pas si on va tous devenir des spéculateurs. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie de spéculer avec l'art. Ça ne m'intéresse pas. Gagner de l'argent avec l'art, ce n'est pas du tout pour ça que je suis là. Donc, ce n'est pas ça qui va me motiver à acheter quelque chose ou non. C'est vraiment la qualité d'une œuvre, la qualité d'une expression. Je pense que c'est important quand même de remettre cette question-là au centre. Oui, je suis totalement d'accord. En fait, c'est la même question qu'on avait avec le net art. Il y avait des artistes qui, fin des années 90, faisaient du net art, de l'art pour Internet. Après, quand il y a eu la popularisation d'Internet et tout le monde voulait faire des choses sur Internet, il y avait des gens qui faisaient une photo de leur œuvre, la mettaient sur un site web. Et ça, ce n'est pas du net art. Donc il y a une différence, ça je suis totalement d'accord. Et là, dans ce cas aussi, pour tout ce qu'on a participé dans cette exposition, c'est comme tu le dis, ces artistes, ils ont l'habitude de travailler dans le marché avec des galeries ou bien dans des expositions, dans des musées, des centres d'art, etc. Ils n'avaient pas tellement d'expérience avec les NFT. En fait, ils avaient après un problème parce que quand ils avaient... eu l'argent qui était dans un wallet, comment le prendre, l'argent, tout ça, c'était un peu une expérimentation pour tous. Alors, c'était pas des artistes qui sont dans ce langage particulier, que j'ai reconnu aussi dans une bonne partie de cette sphère du NFT. Il vient d'un autre côté. Et je pensais que c'était intéressant de rentrer de cette façon-là. D'utiliser ce format, comme tu bien l'as dit, pour arriver à plus de gens. Et puis aussi pour nous, c'est toute cette spéculation, bien qu'on voyait que ça arriverait, ça a été une expérience assez forte. En fait, un des artistes, il a décidé, parce que j'avais oublié de dire ça, dans Fairfile, chaque fois qu'un curateur fait une exposition, le curateur ou la curatrice et tous les artistes reçoivent une édition de chaque œuvre. Alors dans cette exposition, il y avait 12 artistes. Chaque artiste a reçu
11 œuvres, moi j'ai les 12 œuvres de l'exposition. Et un d'eux a décidé de commencer à revendre les œuvres. Ce qui a généré tout un bouleversement parmi les autres artistes. Ils ont décidé aussi de vendre, quelqu'un d'eux aussi vend les œuvres. Lui s'est justifié en disant que lui il est artiste, il n'est pas collectionneur, qu'il ne veut pas prendre en charge la conservation de ses œuvres qui ne l'intéressent pas et qu'il voulait voir ce qui se passe. Donc bref, en une soirée, il a fait 14 000 euros, qui était la vente de toutes les œuvres. Et ça change beaucoup les choses. Et c'est une des choses que j'aime pas des NFT maintenant. On parle trop de l'argent, on ne parle pas assez des œuvres. Ça passe en devant. Et ça devient une autre chose. Je sais que si cette exposition n'aurait pas été dans ce domaine, dans ce marché qu'on a maintenant, on aurait pris des semaines, des mois à vendre les œuvres. Et ça aurait été totalement une autre. Alors, je rebondis, c'est vrai que là, on parle de d'argent. Ouais. Mais finalement, les artistes, est-ce qu'ils sont contents de cette exposition? Est-ce qu'ils sont... Oui, de l'autre côté, c'est amusant, c'est qu'ils ont fait plus d'argent avec cette expo qu'avec beaucoup d'autres expos qu'ils ont fait. Même si le prix de vente originel était 75 $, après ils prenaient 10% de toutes les ventes et les prix de vente étaient 2000. J'ai encore, attendez, je vais faire un petit saut parce que j'avais un peu, c'était pas en ordre, voilà. Vous voyez, ça c'est la partie un peu de... Est-ce que ça marche? Acheté 4000, ouais. Non, acheté 60 000, ouais, vendu 2 millions, c'est vrai? Oui. Oui, c'est donc vous pouvez voir en 13 jours, même bon, les gens commençaient à vendre 2500, puis 3000, puis 10000, etc. Et il y en a qui ont commencé à monter les prix. Parfois c'est totalement illogique, mais parfois ils vendent. Et après les artistes, je sais que plusieurs artistes ont gagné peut-être 2000, 3000 euros plus, en plus, juste avec le 10%. Ça veut dire que leur œuvre s'est revendue par 30 000 euros en tout. Et voilà, on est en train de parler d'argent. Hein. Alors on va revenir sur l'art. Il y a quelque chose que tu connais bien, c'est l'art génératif. C'est quelque chose qui est justement plutôt sur l'aspect créatif, intéressant et propre au NFT. Tu nous en dis un peu plus? Tu nous expliques ce que c'est? Oui, l'art génératif, la définition de l'art génératif, c'est plus ou moins toute pratique artistique dans laquelle l'artiste travaille avec un système qui est plus ou moins autonome, qui peut créer des choses au-delà du contrôle de l'artiste. Ceci a une connexion avec les recherches autour de la vie artificielle, avec des mathématiciens, des ingénieurs qui ont commencé à faire des simulations dans l'ordinateur de systèmes, des écosystèmes, non, des bactéries, etc. Et après, les artistes ont pris ça pour faire des éléments visuels qui ont leur propre comportement, qui se bougent dans un espace et pourtant génèrent des compositions qui sont infinies, un peu comme le disait Frieder Nacke, une description infinie de dessin. Mais dans ce cas qui est en train d'évoluer constamment. Il y a eu le succès d'Artvox cet été où justement des collectionneurs se sont rués sur ces œuvres d'art génératif. Donc c'est quelque chose qui est finalement encore une fois une spécificité technique de quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, on pouvait déjà le faire. Est-ce que c'est propre au NFT ou ça existait finalement? Non, ça existait depuis beaucoup de temps et depuis le moment qu'on utilise un programme d'ordinateur qui a cette possibilité de générer des choses par lui-même. Par exemple, K-Series est bien connu par ça et je vous recommande de voir, il y a des vidéos où il explique son processus, où il explique qu'il prend par exemple des éléments, il définit un élément, il dit bon, là par exemple un cercle, le cercle bouge d'une certaine façon. Quand il trouve un autre cercle, il bouge de l'autre côté ou il change de couleur, etc. Donc il définit tout ça et après il laisse le programme générer constamment des choses. Ce qui est intéressant pour les NFT, c'est qu'on a toujours cet intérêt à trouver l'originalité
et que l'œuvre soit unique. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Quand on vend des éditions de 10 000 exemplaires d'une seule œuvre, comme le disait Karl Gassner, on a une 10 000e de l'originalité. Mais si l'œuvre est générique, on peut avoir une œuvre qui soit unique en elle-même. Et ça, c'est ce que fait ArtBlox. Dans ArtBlox, un artiste crée un programme. Les collectionneurs génèrent une chose qui est générée par ce programme, et c'est ça qu'ils obtiennent. Ils ne savent pas exactement quelle sera la forme qu'ils vont obtenir, mais ils peuvent voir quel est le style, quel est le type de composition que génère ce programme. Alors chacun d'eux a une œuvre unique, en fait, même si toutes les œuvres appartiennent à l'œuvre générative originale. C'est ce que j'aime beaucoup avec Pao, c'est de remettre les choses dans le contexte, dans l'histoire de l'art, parce qu'effectivement, ArtBlox est apparu comme la nouveauté, tous les investisseurs crypto, NFT, sont rués sur des choses rares cet été. Et finalement, j'aime bien de remettre les choses en perspective. Il y a quelque chose de propre au NFT, c'est que c'est un élément culturel. On voit des comportements de collectionneurs qu'on n'avait pas vu avant, peut-être dans un autre monde. On montre nos œuvres sur les réseaux sociaux, on fait partie d'une communauté. C'est une nouvelle dimension sociale un petit peu dans l'art, dans la manière de collectionner. C'est un sujet qui t'intéresse aussi parce que voilà, ça dépasse peut-être un cadre qu'on connaissait avant. Oui, ça j'ai trouvé. Attendez, je vous montre une autre diapositive. Excusez-moi. Ouais, voilà. Et c'est ici. Voilà. Discord. Ça j'ai trouvé par exemple avec Discord. Je suis, comme vous pouvez voir, plusieurs sites. Ouais. Est-ce que c'est Discord? Oui, Discord, c'est un programme, non? C'est une plateforme dans laquelle tout le monde peut créer donc son serveur. Et c'est un espace de communication, c'est comme un chat, non, où tout le monde peut participer. Normalement, il y a donc plusieurs channels, non, plusieurs parties où on peut faire des débats ou des forums de différents sujets. Alors là, ici, il y a trois exemples. Par exemple, dans Feral File, que c'est quand j'ai participé à cela, j'ai suivi le Discord, les collectionneurs ont leur propre channel, non, leur propre chat, où ils parlent. Et alors là, c'est la première fois que j'ai eu cette possibilité de voir exactement de quoi parlent les collectionneurs, à quoi ils s'intéressent, parce qu'ils sont, ils disent tout clair ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est une possibilité aussi pour les artistes, c'était aussi très intéressant d'avoir cet échange direct avec les collectionneurs. Après, vous avez l'autre Ikenunk. Dans Ikenunk, il y a eu, comme John l'a expliqué ce matin, c'est un type de plateforme NFT qui a beaucoup de sens de communauté et dans lequel c'est pas cher du tout de générer des NFT, ça prend quelques centimes. Alors beaucoup d'artistes sont allés là et il y a beaucoup cette idée de communauté, de partager des choses, d'aider les autres. Et une des choses c'est passé avec Ikenunk depuis le début, c'est que Ikenunk est dans un autre blockchain, il utilise une autre crypto-monnaie qui est le Tethos. Et comme pas tout le monde avait des Tethos, pour que les gens puissent rentrer dans Ikenunk, ce que faisait tout le monde, c'est si tu veux rentrer dans Ikenunk, je te donne un Tethos, je t'envoie un Tethos dans ton wallet. Un Tethos, c'était 4 euros, maintenant je pense que c'était 7 euros plus ou moins. Et après, si tu veux, tu me le rends quand tu as gagné de l'argent en vendant tes NFT. Et là, dans Discord, il y a une discussion qui est le Tethos Fountain, où les artistes peuvent se présenter et dire « Est-ce que j'ai besoin de Tethos? Est-ce que quelqu'un peut me donner de Tethos ?» Il y a des gens qui donnent de l'argent pour que les artistes commencent. Je pense que c'est très intéressant. Et puis finalement, dans ArtBlox, il y a aussi une discussion autour du développement du site lui-même. Dans lequel on peut participer aussi dans le sens de communauté. Donc, je pense que ça c'est assez nouveau. Les règles du jeu, on en parle depuis ce matin avec les DAO, avec l'influence de la communauté sur les règles qui vont régir les plateformes. C'est assez génial, c'est complètement impensable avec un Facebook ou
ou ce type de plateforme, on est toujours frustré en train de râler qu'il y a des changements qui ne conviennent pas, etc. Là, c'est des choses profondes, on peut décider de choses importantes sur ces plateformes. Oui, en fait, sur Ikenuk notamment, et il y a beaucoup de participation dans ce sens à construire toute la plateforme, à participer. Donc, ça dépend de la plateforme, je pense que oui, il y a une possibilité, mais ça prend aussi beaucoup de travail d'être là et de participer. Et les artistes et les collections existent aussi sur Discord. Et donc c'est aussi une manière de maintenir le lien avec l'artiste, et c'est ça que je trouve assez cool en tant que collectionneur pour le coup, de dire à un moment j'ai acheté une œuvre ou j'ai acheté une collection, et je vais pouvoir suivre l'histoire, voir comment la chose évolue, faire partie des discussions. C'est quand même intéressant de se dire que voilà, à partir du moment où on possède l'œuvre, on n'est pas décorrélé de l'artiste ou de son environnement, et qu'au contraire, l'histoire est liée. Donc tu as parlé de Ik et Nook, qui est une marketplace. Est-ce que tu peux nous présenter quelques autres marketplaces? Il me semble que tu avais une slide. Oui, j'avais une slide ici pour parler d'un autre... J'avais cette slide pour parler d'une autre considération autour des marketplaces de NFT, que je pense qui est assez intéressante. On a parlé ce matin aussi de décentralisation, de nouveaux systèmes, de nouveaux... règles du jeu, comme tu l'as dit Fabien. Là, il y a seulement deux exemples. D'un côté, vous avez en haut Foundation et SuperRare, qui sont des plateformes sur Ethereum, qui sont par invitation. En bas, vous avez Ik et Nook et AlterN, une autre plateforme qui est sortie jeudi, qui est sur Tethos. Et là, il y a eu une discussion sur Twitter, ça fait en fait quelques mois, où il faisait cette comparaison entre New York et Berlin. Donc il y avait des plateformes où c'était comme New York, c'est plus cher d'y rentrer, on peut faire plus d'argent, on peut avoir plus de visibilité, il n'y a plus de compétences. Non et aussi, on le sait, donc dans Ethereum, il y a une consommation d'énergie plus élevée. Et puis dans Tethos, c'est comme Berlin, il n'y a plus de communauté, c'est moins cher, il y a une visibilité plus au sein d'une communauté, donc tout bouge d'une autre façon. Mais comme Berlin, comme la ville en vrai, il y a toujours la possibilité d'un processus de gentrification. Donc il peut se passer qu'avec le temps, s'il y a beaucoup de succès sur Ikenuk par exemple, ça devient très connu parce que c'est depuis mars qu'on a Ikenuk et c'est déjà hyper connu. S'il y a beaucoup d'argent qui rentre, on pourrait avoir le même cas de SuperRare qui a commencé par vendre à 50$, comme le disait Jean, et maintenant c'est astronomique. Donc je pense que c'est intéressant de voir comme ces structures du monde de l'art, ces structures de marché, ont la tendance à se répéter dans ce domaine. Oui, c'est intéressant. Finalement, les marketplaces, les nouvelles galeries d'art aujourd'hui. Oui, en fait. Et là, c'est où je mets aussi la différence avec des initiatives, des plateformes comme FeralFile ou AlterN, et aussi un peu de ce côté, qui ne sont pas seulement des marketplaces de présentation des œuvres où il y a des tas d'œuvres, mais qui cherchent un peu, qui est des expositions commissariées, qui est un peu de contexte. Parce que je pense que le plus important ici, c'est de ne pas perdre le contexte, et ne pas perdre l'attention à ce que l'œuvre veut dire. Comme ça, on peut plutôt valorer l'œuvre, et après, on l'achète, et après, on peut faire de l'argent, peut-être. Mais sinon, ça devient seulement un échange de valeurs. On peut parler un petit peu de ça, parce que je sais que c'est quelque chose qui est peut-être un sujet de différence d'opinion entre nous. Il y a cette idée de la relation directe avec son public. Il y a aussi l'idée d'éliminer des intermédiaires, hein, de désintermédier le rapport entre l'artiste et son collectionneur. Mais je crois que souvent, on met un petit peu tout dans le même sac où on considère que l'intermédiaire est fondamentalement mauvais. C'est-à-dire qu'il va opérer une curation, par exemple, hein, pour parler de notre métier, et que ça, c'est un pouvoir qui n'est pas toujours mérité, et que fondamentalement, les artistes... souhaiterait rejeter. Moi, j'aimerais un petit peu questionner ça.
Est-ce que tu penses que notre métier va disparaître ou pas? Bon, ça fait longtemps qu'ils disent que le métier du curateur va disparaître avec l'intelligence artificielle, mais je pense maintenant avec une recherche à Google, on peut aussi trouver beaucoup de choses. C'est un peu comme tu le dis, c'est un système où il y a beaucoup d'acteurs, tout le monde veut éliminer l'intermédiaire, mais en fait c'est un réseau dans lequel tout le monde est nécessaire. Là, dans ce sens, et permettez que je vous montre un autre slide que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Je pense que celle-ci, elle est assez intéressante pour comprendre aussi où on est avec les NFT et la relation entre le marché de l'art contemporain et l'art numérique. Ce que vous voyez là, ce sont des ventes dans des maisons de vente aux enchères, dans Sotheby's et Christie's, qui... Alors, si on commence à 2013, il y avait une vente dans Padalate, qui était une plateforme qui s'est créée dans ce moment, liée à la maison de vente aux enchères Philips, qui était une start-up qui a commencé à faire des ventes aux enchères sur Internet. Et qu'est-ce que ça change là? Que si on vend sur Internet, on ne doit pas transporter les œuvres, on ne doit pas parer des assurances, on ne doit pas faire beaucoup de dépenses qui font qu'il ne soit pas rendible, rentable. Donc il ne soit pas rentable de faire une vente aux enchères avec des œuvres qui sont pas très connues, qui vont pas des millions. Alors ils ont fait une vente aux enchères d'œuvres d'art numérique qui a eu un certain succès. Ça a généré un peu d'intérêt dans le marché de l'art digital dans le marché. Après on arrive à la vente de Hobbyos, Christie's et après Sotheby's se sont intéressés à l'art d'intelligence artificielle. Ça a généré pendant quelques moments un intérêt pour l'art d'intelligence artificielle, surtout parce qu'après que Hobbyos a vendu cette œuvre par 430 000 dollars, il y avait plein d'artistes qui voulaient faire des choses avec des gants, non, des réseaux neuronaux artificiels. Donc ça a généré beaucoup d'intérêt. Et après, ils sont passés aux NFT. En fait, ce qui se passe, c'est que les maisons de vente aux enchères, donc Christie's et Sotheby's, sont en une lutte entre eux pour d'un côté devenir donc rentrer plus dans le marché de l'art contemporain et profiter que quand on vend dans le marché de l'art quand on rentre dans l'art numérique, comme je le disais, comme ces artistes ont été ignorés par le marché de l'art contemporain, ils peuvent rentrer et ils peuvent faire des ventes spectaculaires, que ce sont ces ventes qui ont mené la situation qu'on a maintenant. Alors, il y a, derrière tout ça, il y a un peu cet intérêt de Christie's et Sotheby's de rentrer dans le marché de l'art contemporain et, bien sûr, de faire de l'argent. Alors oui, pour aller dans... Là c'est des très belles références. Il y a Hobbyos qui sont ici parmi nous, mais on voit aujourd'hui qu'ils s'approprient aussi le mouvement des NFT avec des œuvres qui n'ont pas grand intérêt, comme le NFT de Gary Vee, qui n'a pas un intérêt artistique, il a une utilité. Et en fait, ils sont très rapides maintenant, justement, entre le moment où un projet NFT démarre, explose, arrive à un certain niveau, ils se positionnent très très vite, et finalement, ils arrivent, désolé, je vais reparler d'argent, ils arrivent à faire, à partir du moment où il y a une annonce, Sotheby's ou Christie's qui se positionne sur un projet NFT, la cote d'un projet fait x10, x100 en une journée. Donc ils sont quand même un acteur traditionnel qui s'est adapté, mais un acteur qui a une vraie influence. Personne n'ignore une vente chez Sotheby's ou chez Christie's, il me semble. Donc c'est quand même, là on voit qu'il y a un jeu de concurrence de qui va être le premier, mais je trouve qu'ils sont relativement bien adaptés à ce nouveau marché. Oui, en fait, ce qui se passe aussi avec les maisons de vente aux enchères, c'est que ce ne sont pas des galeries. Elles n'ont pas à soutenir des artistes, à soutenir des carrières. Leur fonction, c'est de prendre une œuvre et la vendre au prix le plus haut possible. Donc jusqu'à présent, ils vendaient des Picasso, des Warhol, donc c'était des œuvres qui avaient déjà fait le parcours des marchés des galeries, qui étaient connues par tout le monde. Alors on savait que c'était déjà des œuvres avec une valeur très grande. Alors ils faisaient cette vente et voilà.
mais maintenant ils sont en train d'introduire des œuvres, des artistes et des œuvres dans le marché. Donc des œuvres qui n'avaient pas une histoire dans le marché. Parce qu'ils ne veulent pas plus attendre à qu'il y ait un nouveau Warhol ou à dépendre que tout le monde de l'art et le marché de l'art ait décidé que cet artiste a une valeur de plusieurs millions. Avec des artistes comme People, ils l'ont déjà fait, avec tous ces artistes, ils le prennent, ils le mettent là, et comme c'est Christie's Socialist, comme tu l'as bien dit, c'est déjà plus la maison de vente aux enchères qui met la valeur par le fait que l'œuvre est vendue là. Non. Ce qui est intéressant, c'est intéressant pour les artistes, je suis très content pour eux, mais il faut, je pense, faire attention à ça, à cette façon dont ils sont en train de changer le marché. Et en fait, c'est aussi intéressant que les NFT sont plutôt vendus dans ce même système de vente aux enchères où tout est immédiat. On ne pense pas vraiment à qu'est-ce qu'on achète, on veut juste prendre l'œuvre avant que quelqu'un d'autre le prenne. C'est un peu ce système. La FOMO. Ouais. On a abordé pas mal de sujets, j'avais une dernière question. Comme tu es passionné d'art digital, qu'est-ce qui est un projet aujourd'hui, un artiste NFT qui t'intéresse, dont tu pourrais parler? Écoute, la volonté, la question. Oui, non, j'en ai. Préparer les métamasques. J'en ai plein ici. Bon, je vous présente très rapidement. Je pense que les vidéos ne se voient pas, mais c'est bon. Ça, c'est une œuvre que j'ai achetée, ça fait quelques jours. J'ai payé 5 tezos, c'est 35-40 euros. De Kim Asendorf, que je trouvais très intéressant. Je trouve qu'il y a des gens qui sont en train de faire des œuvres génératives, conceptuelles, dans le format NFT, qui leur permet par exemple de prendre des données en temps réel. Donc l'œuvre change constamment depuis sa propre histoire. Hein? Donc cette œuvre, par exemple, c'est une œuvre qui montre les noms des gens qui ont acheté l'œuvre, hein? Les collectionneurs de l'œuvre même. Et comme vous pouvez lire là, l'artiste a enlevé de cette liste ceux qui possèdent plus d'une copie, donc c'est des flippers, et ceux qui l'ont revendu, logiquement, vont disparaître. Alors ça devient un peu un hall of fame de tous ceux qui ont acheté l'œuvre, et c'est une œuvre auto-référentielle. C'est une œuvre que dans un autre domaine on ne pourrait pas la créer, je pense, et qui joue beaucoup à tout ce monde dans lequel on est maintenant. Et si vous voulez, je vous montre encore une autre, très rapidement, c'est une sculpture virtuelle d'Aria Harvey, qui est vendue dans Feral File, et que l'artiste a créé toute une série de formats pour cette sculpture. Donc on peut la voir comme une animation, comme une photo, comme une œuvre en réalité augmentée, qu'on peut l'appeler où on veut. Et aussi, on a le fichier original 3D, donc on peut l'imprimer et on peut faire une version physique. Et ça, c'est ce que je veux faire maintenant avec mon père qui est sculpteur. Je veux faire l'impression 3D et après faire une version en bronze. Et je pense que ça sera une expérience assez intéressante. Trop bien. Tu me donnerais quelques tezos pour que j'achète l'œuvre d'avant. Les artistes. Merci Pao, vraiment super intéressant. C'était vraiment important, je trouve, de remettre les choses dans le contexte. On a un peu de temps pour quelques questions pour Pao. Vous avez un expert de l'art digital, pour une fois. J'ai une question de... Allô, allô. Merci. J'ai une question de néophyte, et encore le mot est faible. Je m'intéresse et je travaille dans les arts numériques et de forme tangible, on va dire, depuis plusieurs années. Je ne connais rien du tout aux NFT. Et il y a pas mal d'artistes ou de personnes dans mon entourage qui disent, mais du coup, voilà, si je veux faire le premier pas en NFT, si je veux numériser une œuvre, ou est-ce que ces plateformes sont ouvertes? Comment je choisis ma plateforme en fonction de ma pratique? Je fais plutôt du dessin ou plutôt des formes génératives, voilà. Comment, vraiment, question de néophyte, comment vous faire des premiers pas ou peut-être trouver des conseils pour des artistes qui voudraient passer ce pas et qui ont loupé le virage, on va dire, de la techno ou de la communauté NFT, on va dire. Bon, moi je recommande surtout Ikenouk, non, c'est
c'est la forme là, vous voyez là le logo. Parce que c'est pas cher du tout, c'est facile de rentrer, il faut juste créer un wallet, c'est installer un programme, et après on peut donc rentrer dans le Discord ou dans Twitter, on cherche Ikenouk, on peut présenter son œuvre et demander quelqu'un de te donner des tethos et commencer à créer des choses et suivre ce que font les autres et voir un peu où est-ce que ça mène. Il y a des gens qui vendent des œuvres à des prix très bas, il y a d'autres qui ont déjà un niveau pour vendre un peu plus haut, mais dans ce, surtout dans Ikenouk, il y a un peu cette idée d'expérimentation que je pense qui est très positive et une idée de communauté. Et je pense que pour n'importe quel artiste, c'est très intéressant si ce sont sa première expérience de rentrer là, de voir ce qu'il y a et d'essayer qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est une des choses, ce matin on avait parlé aussi que c'est une des grandes choses maintenant avec les NFT que tout le monde peut créer, tout le monde peut générer des choses et les présenter aux autres. Moi-même je ne suis pas artiste mais j'ai généré mes propres NFT pour comprendre comment ça marche et j'ai trouvé une expérience vraiment très intéressante. Alors ça je recommande à tout le monde de l'essayer. En plus, c'est un blockchain qui est clean, qui n'utilise pas tellement d'électricité. Alors, c'est générer un NFT avec Ikenouk, c'est la même électricité que faire un tweet. Alors, c'est pas vraiment une chose qu'il a finalement. Quand on dit que les maisons de vente quand on vend d'habitude par les maisons de vente, on ne vend pas en direct pour un artiste. On vend pour l'acquéreur de l'œuvre qui le revend en maison de vente. C'est rare que la maison de vente vend comme une galerie, en fait, parce que c'est dans le sens qu'il remplace l'intermédiaire première. Ouais. Et il source comment l'œuvre. En fait, il le source directement de la plateforme où il y a une interaction artiste maison de vente ou plateforme maison de vente. Dans les ventes de Christie's et Sotheby's, ce que je sais, par exemple, celle de Christie's avec Meeple, c'était quelqu'un de Christie's qui a fait la connexion directe avec l'artiste. Et en fait, c'est exactement ça. J'ai même eu l'occasion, j'étais à Paris et j'ai pu parler un moment avec le vice-président de Sotheby's France. Et lui-même, il me disait, ils ne peuvent pas vendre des Picasso et des Warhol, ils doivent rentrer dans le marché de l'art contemporain. Il n'y a pas tellement de ces grandes œuvres à vendre, il faut continuer leur modèle. Mais ça change leur métier, parce que oui. Là, on est dans le marché premier, pas dans le secondary market. Exactement. Là, si on peut... Oui, mais si on regarde dans les dernières décennies, Ils ont fait des pas progressivement dans ce sens. Ouais. Tout d'abord, en changeant la définition d'art contemporain, passant de contemporain à moderne, en incorporant des artistes directement des galeries, etc. Et c'est, je vois le futur, les maisons de vente aux enchères seront un des acteurs principaux du marché de l'art contemporain. Ils le sont bien. Merci. Barbe. Oui, peut-être une dernière question. Alors, je mets la main à droite. D'abord. Oui, du coup, on reste sur la question des intermédiaires et je vais poser la question pour les galeries. Madame disait qu'on squeezait une partie des intermédiaires quand ce Christie's et Sotheby's se positionnent sur la vente directement auprès des artistes. Quid des galeries aujourd'hui à faire leur travail de représentation auprès des artistes qui finalement vont maintenant eux-mêmes se positionner sur le marché. D'un côté, j'ai vu par exemple, il y a des galeries qui travaillaient déjà avec le numérique, comme Bitforms par exemple, qui a été créé en 2001 et qui a eu une longue trajectoire dans ce domaine. Ils ont créé leur propre vente de NFT depuis liée à la galerie.
beaucoup d'autres galeries avec, que j'ai connues, avec lesquelles j'ai pu parler, hésitent encore parce que alors les galeristes ils voient qu'il y a toute cette folie autour de la vente des NFT. Donc, ils ont peur pour leur réputation de rentrer là et que ça ait un peu cette image de bon, tu veux faire de l'argent rapidement, etc. Parce que pour les galeries, c'est toujours ce problème de se présenter comme une institution culturelle et en même temps comme un négoce, non, comme un business. Et alors pour eux, c'est une situation assez délicate. Mais de plus en plus, il y en a qui rentrent, qui le justifient par le travail de l'artiste, etc., ou qui chercheront, je pense, plutôt ce genre de plateforme comme FeralFile, dans lequel on a quand même le contexte d'une exposition, et pas seulement une vente directe, etc. Mais on verra où est-ce que ça nous mène. C'est bon, là. Dernière question. On a plein de projets après à voir. Je voudrais que chacun entende. Oui, c'est une question un petit peu plus précise. On accompagne un artiste vénézuélien depuis plusieurs années, et entre autres qu'on a aidé pendant le Covid, puisque c'est un artiste de rue qui peint aujourd'hui l'histoire de l'Amérique latine sur les billets vénézuéliens, car ils ont moins de valeur qu'une feuille de papier. Et l'idée, c'est de dire comment l'aider à transformer ça en NFT pour qu'il puisse, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les périodes en Amérique latine extrêmement restrictives, il n'y a plus de tourisme. En fait, il n'arrive plus à vendre son art. À travers les NFT, il pourrait peut-être retrouver un... C'est vrai qu'on ça ne peut parler d'argent, mais nous, on l'accompagne financièrement à travers cette crise parce qu'on l'aide, car il ne peut plus rien vendre, et le NFT pourrait peut-être l'aider. Comment transformer ses œuvres physiques en NFT? À travers la modélisation, à travers les photos, enfin, quelles sont les pistes? Il y a plusieurs façons. Bon, la plus... une façon de vendre, c'est de faire des... de scanner l'image, de faire l'image, de vendre cette image à une édition et de décider si on veut que ça soit une version de l'œuvre originale qu'on vend en une édition plus grande, à un prix plus bas, ou on veut faire une œuvre unique. Là, il y a aussi la possibilité de vendre l'NFT et de dire au collectionneur, quand vous achetez cet NFT, on vous enverra l'œuvre originale aussi. Donc ça c'est une façon de combiner les deux choses. Après, il y a des gens un peu fous qui font la digitalisation de l'œuvre et après ils brûlent l'œuvre originale, etc., pour qu'elle soit unique comme NFT, ce que je pense que ça ne fait aucun sens. Je pense que, comme j'ai montré là avec la sculpture digitale, si on offre aux collectionneurs toutes ces possibilités, je pense que ça peut leur intéresser. Ouais, sur un sujet aussi intéressant que la valeur du réel vénézuélien, hein, ça c'est... C'est un super sujet. Hein. Ouais, c'est j'achète en tout cas. Avec plaisir. Tu pourrais faire pareil avec le Bitcoin, du coup. Ouais. Peut-être trouver l'adaptation d'idées au format digital. Merci beaucoup. Merci, pardon.